C'était la veille de la fête des Lumières. Et à l'intérieur de la cabane, aucune créature ne bougeait, pas un gorille ne s'agitait. Nous faisions flamber des pots de bananes avec précaution sur le fourneau, dans l'espoir que d'autres bananes seraient là bientôt. Manger des bananes, c'est mon activité préférée pendant les fêtes. Dis plutôt que c'est ton activité préférée de l'année, Donkey. Et toi, petit bonhomme, quel est le moment des fêtes que tu préfères? Quand on déballe les cadeaux, surtout si c'est un Jojo le jongleur de la jungle avec ses balles en poil de chacal. Didi, comment t'as fait pour deviner? Parce que c'est exactement le cadeau que je voulais. Et toi, Cranky, qu'est-ce que tu préfères par-dessus tout? La trêve entre les lézards et les singes, la fête des lumières de Congo Bongo et le seul jour de l'année pendant lequel nous n'avons pas à nous préoccuper de ce misérable King Karol qui veut nous voler notre noix de coco en cristal. Le seul jour de l'année où l'on ne risque rien. Tenez-vous prêt à partir en permission sur la piste 7? Comme le tunnel est faiblement éclairé, car à vous... Tête! C'était la dernière troupe de Critters, sir. Tout le monde est parti célébrer la fête des Lumières de Congo Bongo dans sa famille. Formidable, tout simplement formidable! Clump, tu connais ma devise des circonstances, n'est-ce pas? Affirmatif. Même le plus nul des subalternes cérébralement déficients a le droit d'être auprès de ses congénères à écailles. À propos de subalternes cérébralement déficients, où est Crouchard? Dans le coffre, sire. Il racle le fond de vos poubelles pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de festif à rapporter chez lui. J'ai trouvé quelque chose. Montre-moi ça, Crouchard. Bougies. Ce ne sont pas des bougies, ce sont des... J'adore les feux d'artifice! C'est le moment de la fête que je préfère! Non, moi, ce que j'aime le plus, c'est rentrer dans mon marais natal à Bayou les Tourbières pour jouer à la crapette avec mes frères et mes sœurs. Nous passons la journée à batifoler dans la gadoue en sirotant de l'eau croupie et en nous racontant des histoires effrayantes. Et ensuite, nous nous empifferons debout à la crème préparée par maman. Oh, je sens déjà l'odeur. Bon, eh bien je m'en vais, général. Je te souhaite de passer une bonne fête. Vous aussi, sinistrissime et cyniquissime, sire. Dépêche-toi, Crouchat. Il y a ta famille qui t'attend. Passe une bonne fête. Tu rentres pas chez toi? Si, si, j'y vais, bien sûr, le temps de fermer la clé. J'ai une sacrée bamboula qui m'attend. Je ne raterai ça pour rien au monde. Allez, maintenant, fiche-moi le camp, espèce de salamandre. Et t'as intérêt à t'amuser, c'est un ordre. Ok. Salut. Et attention à ta... Tête. Bon, je sais peut-être pas où aller, mais j'ai au moins tout cet espace pour moi tout seul. J'ai toujours été seul au monde, sans domicile fixe, comme un pauvre vagabond. Tandis que les autres sont ensemble à boire de l'eau croupie, confortablement installés sur leur canapé lit. Pas d'arbre généalogique, je suis qu'une branche, une tige, une feuille, n'est-ce pas pathétique? Je n'ai jamais eu de famille, juste une centaine de dents et la peau qui brille. Je me rappelle le goût des œufs tortues pourries de ma mère et des sandwichs au pâté de ver de terre. Généalogique. Je suis
qu'une branche, une tige, une feuille, n'est-ce pas pathétique? Je n'ai pas de congénère avec qui célébrer la fête des Lumières. Maintenant que j'y pense, quand j'étais triton, quelqu'un m'avait appris une comptine pour me remonter le moral. Quelle était-elle? Ah oui, je m'en souviens maintenant. Si la mélancolie t'envahit parfois, souviens-toi de moi. Bon sang, comment est-ce termine? Tant pis, ça fait rien. De toute façon, j'ai personne à qui la chanter, alors. Cette année, la fête des Lumières sera la plus chouette qu'on ait jamais vue. Tu comprendras quand t'auras vu toutes mes barriques de fusées. J'aimerais plutôt voir mes cadeaux. Allez, dis-moi ce que tu vas m'offrir, donc, et s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, mais ne va surtout pas aller le répéter aux autres, parce que je vais offrir à tout le monde le même cadeau. C'est énorme. Oui. C'est magnifique. Ouais. C'est une banane. Hein? Elle est bien bonne. Non mais sérieusement, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Oh, et puis non, me dis rien. Ce sera la surprise. Ouais, la surprise, si tu veux. Quelle bonne odeur de tarte à la banane. Salut, Dorothy. Salut, ma chérie. Je veux dire, Candy. Je croyais que tu étais sur la plage à installer les feux d'artifice. Tu sais à quel point je raffole de tes tartes à la banane. C'est vrai, mais jamais autant que du cadeau que j'ai pour toi. Oh, un cadeau. T'as pas le droit de l'ouvrir maintenant. Je suis impatiente de voir celui que tu vas m'offrir. Ah, bon ben, je te laisse. Salut, vieille branche. Salut, Funky, tu vas surfer? Négatif, mon pote. Je m'en vais faire un petit saut chez Cranky pour lui livrer ton cadeau. Tu vas bientôt glisser sur le sommet de la vague, mieux qu'un lézard sur une peau de banane. On dirait que tous mes amis vont m'offrir des cadeaux super. Tous? Alors ça m'étonnerait. Je te parie un régime de banane que Cranky va t'offrir un machin inutile comme il en a l'habitude. Un truc genre pyjama rayé à paillettes. Avec mon cadeau, tu seras dédommagé. À ce propos, il faut que j'aille l'emballer. Tu ferais mieux de commencer à installer ces feux d'artifice. Sinon, la seule chose qu'on verra briller dans le ciel, ce sera ton pyjama. J'ai pas la tête à m'occuper des feux d'artifice. Maintenant, il faut que je cherche de nouveaux cadeaux pour tous mes amis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur offrir? J'ai trouvé... Oh, tu dois absolument m'aider, Inca d'Incadou. Je suis désespéré. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde dans le cœur de ton ennemi et tu découvriras le plus précieux des cadeaux. Répète. À cause du conseil complètement tordu de Linka Dinkadou, j'ai perdu encore plus de temps et maintenant je... Ennemi droit devant! Tu ne frapperais pas un lézard à lunettes quand même! Impossible! C'est la fête des lumières de Congo Bongo aujourd'hui! La trêve entre les lézards et les singes! Ah, tant mieux! Parce que tous les ophtalmos sont en congé! C'est réconfortant de voir qu'il n'y a pas que moi qui sois seul dans ces moments-là! Oh, mais je ne suis pas seul! J'ai prévu de retrouver mes amis plus tard sur la plage pour faire une grande fête! Dans ce cas, je suis vraiment le seul qui soit tout seul aujourd'hui! Tu serais pas au terrain ennemi? Eh bien, je voulais juste... voilà, pour dire la vérité, je viens ici chaque année pour voir les feux d'artifice. J'adore les feux d'artifice. Hélas, il n'y en aura pas cette année. Quoi? Pas de feux d'artifice? Mais c'est tout ce que j'ai. C'est dommage, mais je dois avant tout m'occuper de trouver des cadeaux pour tous mes amis. Tu sais, comme c'est la trêve, je pourrais peut-être te donner un coup de main. T'es sérieux? Affirmatif. Et comme ça, en échange, tu m'autoriseras à m'asseoir au premier rang pour les feux d'artifice. Ça marche, serrons-nous la main. Wow.
matelots, c'est aujourd'hui la fête des Lumières à Congo Bongo, le jour de la trêve légendaire. Alors je me disais à moi-même quel meilleur jour pour voler la noix de coco en cristal à cette bande de macaques que celui où ils baissent leurs gardes. Ouais, et quel meilleur cadeau à voler que celui que vous voulez le plus au monde, pas vrai mon capitaine? Il y a bien une chose que je désire plus que la noix de coco en cristal, Moussaillon. Quelque chose que j'ai perdu depuis bien longtemps. Oh, ce qui est perdu est perdu. Mais ce qui reste est à moi. Alors faisons ce que seuls les pirates savent faire. Emparons-nous du butin ! Nom d'une banane flambée. Il y a des tonnes de trucs super là-dedans. Sers-toi copieusement. Je suis sûr que King Carol ne s'apercevra de rien. Regarde un peu les merveilles que j'ai dénichées. Tiens, à quoi servent ces habits de clown? Dis, Donkey, tu ferais mieux de ne pas les prendre. Maintenant, grâce à toi, j'ai des cadeaux d'enfer pour tout le monde. Ah, oh, si seulement j'avais quelqu'un qui offrir des cadeaux. Un marécage bien humide dans lequel habiter, une paire de palmes écossaises bien fourrées, de la boue à la crème, avec une bouteille d'eau croupie millésimée. Si la mélancolie t'envahit parfois, souviens-toi de moi. Vas-y, Clump, continue. Malheureusement, j'arrive jamais à me rappeler la fin. Tout ce que je sais, c'est qu'on me la chantait quand j'étais haut comme trois pommes, mais j'ai oublié qui c'était. Hé hey, je les ai trouvés, mes super cadeaux. Beau travail, soldat. Qu'est-ce que c'est? Des bougies. Non, non, ce sont des feux d'artifice. Je me disais bien que j'en avais vu quelque part. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il devrait avoir fini d'installer les feux d'artifice depuis longtemps. Je vais voir ce qui se passe. Ne te fais pas de soucis, Cranky. Donkey sait à quel point cette journée est importante. Il ne va pas dérailler. Général Clump, j'ai trouvé le cadeau idéal que je vais offrir à tous mes amis. Un wagonnet. Hé, à quoi il sert ce bouton? N'y touche surtout pas. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas le cadeau idéal. J'ai une mauvaise nouvelle, Cranky. Donkey n'était pas sur la jetée. Quel imbécile! Je parie qu'il n'a même pas commencé à installer les feux d'artifice. J'ai pas raison? Non, mais c'est bien pire. Donkey est le maître de cérémonie. Qui va porter la noix de coco en cristal? Moi. Tu vois, je t'avais prévenu que c'était pire. Scurvy! Quel mauvais vent peut bien t'amener ici, à Congo Bongo? Nom d'une jambe de bois, je viens chercher mon dû. La noix de coco en cristal. N'y a-t-il rien d'autre que tu voudrais à part la noix de coco en cristal? Si, il y a bien une chose que j'aimerais posséder. Une chose plus précieuse que la noix de coco en cristal. Pourtant, même un pirate ne peut obtenir tout ce qu'il désire. Alors file-moi cette noix de coco en cristal ou je te jette au requin. Par chance, il n'a pas l'air de s'intéresser au cadeau. Parce qu'il y a un autre but, hein? Tu n'oserais pas, misérable! Chiche! T'as oublié notre devise! Les bonbons sont de vrais brigands! Donkey Kong! Je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Un bouquin, ça fait toujours plaisir. Et King Carol en a des milliers. Quel est pour toi le cadeau idéal, Général Clump? Que dis-tu d'une paire de pompes en croco fourré en poil de singe? Car c'est comme ça qu'on finira si King Carol s'aperçoit qu'on a farfouillé dans sa bibliothèque. C'est vilain de s'introduire chez les gens. Mais c'est toi qui m'as invité. Non, je ne parle pas de toi, mais des pirates. La noix de coco en cristal, oh non! C'est la fête des Lumières aujourd'hui, ils ont pas entendu parler de la trêve. C'est vrai, mais les forbans s'en fichent complètement. Ce sont de vrais brigands. Je me demande ce que je vais devenir quand King Carol se rendra compte que la noix de coco en cristal a été volée par un autre que moi. Rien si tu m'aides à arrêter les voleurs. Nom d'une banane écrasée, qu'est-ce que tu faisais? Des emplettes. Quoi? Cette année, tout le monde va m'offrir des cadeaux super chouettes, alors j'ai voulu simplement, moi aussi, faire la même chose. Oh, comme il est mignon, le gros nigo. Mais pendant qu'il faisait ses emplettes, Scurvy a volé tous les cadeaux, ainsi que la noix de coco en cristal. Qu'est-ce qu'on va faire, Donkey? Ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée sur la question. C'est bien ce qui m'inquiète. Mais je vais avoir besoin de son aide. Salut la compagnie! Prends-lui, en tout cas. Trêve ou pas trêve, va cacher la noix de coco en cristal. Trop tard, on l'a déjà volée. Ah oui, au fait, j'y pense. Secouez-vous les puces au lieu de rester là planté tête de veau.
trois-queues coutelas et croque vert. Vous avez repéré l'ennemi ? Tout ce que t'as à faire, c'est pas quitter Scurvy des yeux. Didier et moi, on s'occupe du reste. Affirmatif ! 1, 2, 1, 2 ! Doucement, les basses ! 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a embarqué toute la marchandise, on dirait. Qu'est-ce que vous faites du reste du butin ? Quel butin ? Celui qui se trouve sur la plage, pardon. Scurvy nous a pas parlé de ce butin sur la plage. Et tu penses qu'on doit le prendre ? Oui, parce que vous êtes de vrais brigands. Ah, tu l'as dit, Matelot. Ah, ton plan marche bien, Donkey Kong. Comme je te le disais, petit bonhomme, rien ne peut nous arriver. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. Hein ? Ton plan a échoué comme un galion sur le récif. Qu'est-ce que tu croyais ? Que mes moussaillons auraient chargé les feux d'artifice sur mon bateau et que tu aurais marchandé la noix de coco en cristal en nous menaçant de nous tailler en pièces? C'est ça, à une peau de banane près. Je vous dois une fière chandelle parce que j'aurais été obligé de revenir pour les voler. Enfin, la noix de coco en cristal. Le seul et unique butin que j'ai jamais convoité. Je croyais qu'il y avait autre chose que tu voulais. C'est vrai. Revoir mon frère que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Si la mélancolie t'envahit parfois, souviens-toi de moi, de ton grand frère Scurvy. Je suis sûr d'avoir déjà entendu cet air quelque part. Allons voguer sur des eaux infestées de requins. Je vais en finir avec ces marins d'eau douce. Je me dois, par obéissance envers mon supérieur, de me battre jusqu'à la mort pour récupérer la noix de coco en cristal. De te battre jusqu'à la mort ? De te battre jusqu'à la mort ? Même un pirate ne se bat pas jusqu'à la mort ! Oui, enfin bon, j'admets de m'être encore jamais trouvé dans cette situation, mais le code d'honneur des lézards m'oblige à vous le dire. J'ai déjà taillé des choses en pièces, alors donne-moi la noix de coco en cristal, espèce de vieux loup d'eau salée. Quoi ? Tu me traites de vieux loup d'eau salée ? Espèce de vieux caïman d'eau croupie ! T'es qu'un minable crapaud d'égout ! Tu vas finir en chair à pâté pour aucun misérable. Ce sont les deux maboules les plus siphonnées du bocal que j'ai jamais rencontrées. C'est triste, ça me rend mélancolique. Tu sens du poisson pourri ! Hé ! Bien sûr ! Tu parles tout seul maintenant ? La comptine ! C'est la mélancolie. T'envahis parfois. Souviens-toi de moi, de ton grand frère Scurvy. Si la mélancolie t'envahit parfois, souviens-toi de moi, de ton grand frère Scurvy. Oui, c'est ça. Ce sont bien les derniers mots, mais comment tu connais la fin? Et toi, comment tu connais tout le reste? Petit frère! Grand frère! Ah, j'adore les feux d'artifice. Moi aussi. C'est parce que tu jouais avec quand t'étais môme, même qu'un jour. Tu as fichu le feu au marécage, réduisant notre maison en cendres. Sans blague. T'as raison. Je m'en souviens maintenant. D'ailleurs, tu... t'étais fait passer pour le coupable. Je me suis enfui dans le marécage plus vite qu'un boulet de canon. Débarrasse le plancher, pyromane. Pourquoi tu crois que j'ai pris la mer pour devenir un pirate, espèce de marin d'eau douce? T'as fait ça pour moi? La famille, c'est sacré. Qui sait, Donkey? Moi, je ne l'aurais pas préparé de cette façon. Mais je dois reconnaître que c'est la plus belle fête des Lumières qu'on ait jamais eue à Congo Bongo. Oui, mais tous les cadeaux sont partis en fumée. Et une fête des Lumières sans cadeaux, c'est comme un jour sans banane. L'important n'est pas d'avoir des cadeaux, mais d'être auprès de sa famille. Je comprends maintenant ce que Inca Dinkadu a essayé de me dire. Regarde dans le cœur de ton ennemi et tu y découvriras le plus précieux des cadeaux. Et le plus précieux des cadeaux, c'est de se retrouver auprès de sa famille et de ses amis. Oui, même les méchants ont besoin d'une famille.
Et à ce propos, je serais curieux de savoir ce que King Carol pense de ses nouveaux invités. Oh, en ce jour-là, petit frère, la mer était furibarde, tout comme le grand requin blanc contre lequel je me battais. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la bête la plus grosse, la plus cruelle, la plus terrifiante que j'avais jamais vue de ma vie. Un jour, King Carol a eu la langue enflée, on aurait dit une pastèque. Eh bien, c'était un des trucs les plus atroces que j'avais jamais vu. Général Clump, que se passe-t-il ici? King Carol, vous n'allez jamais le croire, mais j'ai retrouvé ma famille. Voilà Scurvy, le frère que j'avais perdu de vue. Hein? Si tu crois que je vais laisser ton pirate à peau rouge de frère traîner ses écailles puantes ici chez moi, tu peux toujours ramper. Non, sire, il ne reste pas. C'est moi qui pars. Je vais devenir un forban. Un vrai brigand. Oh non, tu ne partiras pas, je te l'interdis. Répète ce que tu viens de dire. Ne pointe pas ce machin sur moi, sinon je te découpe en morceaux et je te transforme en pâté pour requin, vieille bidoche. Vieille bidoche toi-même, espèce de gros tas de boue poisseuse. Nom d'un cerveau à sonnette. Espèce de vieux poisson. Ils se battent à cause de moi. Ouvre grande tes écoutilles, minable petit crotal croûteux analphabète. Tu me traites d'analphabète, vieux bouffeur de bouquins bourrés. C'est la meilleure fête des lumières que Congo Bongo ait jamais connue. Tu n'es qu'un bon à rien, grosse barrique d'eau de mer qui pue le poisson pourri. Laisse ma mère en dehors de ça, toi. Boucanier bedonneux. J'ai un cachalot. Vermine venimeux. Fourbe format. Bouffeur de bouffe. Tête de hareng fumée. Pas de barbecue.